Salut Emile. Salut Fernand. Je te sers un jaune. Fais-moi un jaune parce qu'il m'arrivait de trucs. Ah bon? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'arrivait une histoire de fou. Eh ben, raconte. L'autre jour, ma femme me dit, chérie, déjà quand t'appelles chérie, oui. Tu te dis, elle va vouloir la carte bleue. Ça sent mauvais, oui. Bon, chérie, elle me dit, est-ce que tu peux passer chez Espresso pour m'acheter du café, tu vois? Mm-hmm. Et ça serait bien, elle me dit que tu prennes du Voluto et du Ristretto. Bon, ouais. Que t'as passé, mais bon, d'accord. Bref, j'arrive chez Espresso, c'est magnifique. Ils ont des boutiques magnifiques, c'est protégé comme une banque, décoré comme un théâtre. Et derrière chaque guichet, t'as Naomi Campbell, oui. Avec un grand décolleté, qui te dit bonjour, est-ce que vous voulez du café? Toi, t'es venu pour du café, tu dis oui, je voudrais du café. Cool. T'as l'impression qu'elle vend des lèvres, tellement elle a des lèvres, tu vois. Enfin bon, bref. Et elle te montre la vitrine. Je lui dis, je voudrais 10 cartouches de Voluto et 10 cartouches de Ristretto. On dirait que c'est un marchand d'armes, normal, quoi. Attends, refais-le pas. Je voudrais 10 cartouches de Voluto et 10 cartouches de Ristretto. Normal. Voilà. Elle me dit, vous êtes adresse, téléphone. Je dis, non, je veux pas m'inscrire à la sécu, je veux juste acheter du café. Évidemment. Je voudrais juste du Ristretto, du Livanto, 10 cartouches. Très bien, me dit-elle, et combien de descaféinado? Ah non, je veux pas de descaféinado. T'as quand même le droit, quand même. Oui, mais elle me dit, alors attendez, ça pose un problème, parce que j'ai votre nom et votre profil, et normalement, d'habitude, vous prenez du descaféido. Je dis, oui, d'accord, mais là, j'en prends pas parce qu'on le boit pas. Très bien. Et je prends du Ristretto, du Voluto, et je sors. Putain, je sors dans la rue, mon téléphone sonne. Allô, bonjour, centrale de réservation Novotel. Ouais. Allô, bonjour, oui, ici la chaîne de réservation des hôtels Novotel. Bonjour. Je voudrais savoir si vous confirmez votre réservation pour les vacances de Pâques à Trouville. J'ai dit, mais oui, pourquoi? Il me dit, parce que comme vous n'achetez plus de descafeinado chez Espresso, et que dans votre profil c'était achète du descafeinado et va dormir à l'hôtel Novotel de Trouville, on voudrait savoir si vous confirmez votre réservation. Putain, mais ça fait peur. Ah ben putain, et elle a raccroché. Ah bon? Ouais. Elle avait raccroché? Oui. Eh ben arrête, tu fous la chair de frisson à tout le monde. Attends, là. Ça s'enchaîne, ça ressonne. Allô, Mondial Car, bonjour, nous voudrions savoir si vous confirmez la location de votre Laguna Break pour aller à Trouville dans l'hôtel Novotel, vu que vous ne prenez plus de descafeinado chez Espresso. En fait, tout est en ligne, tout est en réseau. Si tu changes et que tu sors de la ligne du réseau, t'es mal. Putain. Oh là, c'est incroyable ce truc. Oui. Bon voilà, tu vois, tout est en réseau. Et je sors de là, je vais à la banque. Je rentre à la banque, où je vais toujours. Le banquier me dit, est-ce que vous avez reçu le calendrier avec les trois petits chats? J'ai dit, ah non, les trois petits chats. Ils ont sorti cette année à la banque, c'est les trois petits chats qui changent de l'argent, tu vois. Ah bon? Oui, c'est le calendrier de la banque, tu vois. Et là, il me dit, est-ce que vous avez la carte bleue, vous n'avez pas de problème? Non, j'ai pas de problème, faites voir. Je dis, non, mais je n'ai pas de problème, faites voir quand même. Là, il devient comme un fou, il me prend ma carte bleue avec des ciseaux et la coupe en deux. Et qu'est-ce qu'il te dit? Mais j'ai dit, mais pourquoi vous me faites ça? Il me dit, parce que les mecs qui sortent du profil, on n'a pas confiance. Vous êtes allé chez Espresso, vous n'avez pas pris de descaféinado. Voilà, c'est comme ça. Putain, mais c'est fou, on hallucine quand même. Et ben voilà, c'est le monde dans lequel on est, il est comme ça, voilà. Putain, mais c'est incroyable ce truc. Alors moi, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, ce café Espresso, j'en boirai plus jamais. Ah mais moi non plus, ça c'est fini. Mais quelle histoire, hein. Et tu crois que c'est pareil pour le Ricard? Ça peut pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est une vraie marque le Ricard. Et le Ricard, on n'en change pas. Allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous en attendant, on cotise.